11 ans, et oui, 11 ans presque jour pour jour, après la catastrophe provoquée par le naufrage du tout célèbre Torrey Canyon, un pétrolier échoué sur les récifs de la Bretagne Nord est en train de polluer à une vitesse grand V les côtes françaises. Ce navire, l'Amoco Cadiz, s'est brisé cette nuit sur les terribles roches de Port-Sal, un joli petit port à 30 km au nord-ouest de Brest. A déjà pollué plusieurs kilomètres. Mais les vents violents et les vagues de 4 à 6 mètres de long ont cassé le train. Tandis que les hélicoptères évacuaient l'équipage, le pétrole a commencé à s'échapper. Et c'est alors 220 000 tonnes de pétrole qui se répandraient sur toutes les
Alors les pêcheurs contemplent attirer les côtes devant ce qui apparaît déjà comme la plus grande catastrophe écologique.